Beaulieu est une vaste commune de près de 50 km² aux paysages variés qui mérite d'être visitée. La promenade est assurément le moyen idéal de la découverte. Partons des Crotets. Comme tous les hameaux, celui-ci a conservé sa mare, autrefois abreuvoir pour les bestiaux. Aujourd'hui, réserve d'eau en cas d'incendie. Jusqu'au milieu du siècle, ce hameau ne comptait que des exploitations agricoles. Après les mutations et les bouleversements dans ce domaine, on constate que la plupart des maisons ne sont que des résidences. Nous sommes ici à l'orée de la forêt. Les bois des Crotets sont les plus vastes et les plus compacts de la commune. Il est hasardeux de s'y aventurer. On risque de bien tâtonner et de tourner en rond avant d'en ressortir. Mieux vaut suivre les belles allées qui conduisent au hameau tout proche. Le spectacle des bois change à chaque saison, comme pour le plaisir des yeux. Sans conteste, c'est l'automne qui apporte le plus somptueux et le plus coloré. Les clairières permettent de retrouver un peu de ciel entre les fûts et les branches. Ce carrefour nous permet d'admirer ces chênes gigantesques de plusieurs siècles. Le chêne, c'est l'essence qui domine, bois d'œuvre recherché, mais aussi bois de chauffage pour nos campagnes. Le charme au bois dur est également présent partout. Il s'y mêle des érables et des merisiers. L'étranger à la commune est surpris de peuplement de châtaigniers. Jadis, on en planta des hectares, à une époque où la châtaigne, récoltée à l'automne, était une précieuse réserve de nourriture pour l'hiver, à l'égal de la pomme de terre. On quitte les bois et l'on redescend dans la vallée du Bougonnois, petite rivière qui collecte toutes les eaux du plateau boisé. Modeste, pendant presque toute l'année, le Bougonnois peut se gonfler en quelques heures après de fortes pluies. Il prend alors l'allure d'un torrent qui dégringole vers le Val-de-Loire. Il a creusé son lit jusqu'aux marnes blanches du Crétacé, qui apparaissent en zone claire après les labours de printemps. Les zones limoneuses sont fertiles, propices autrefois à la culture du chanvre, qui couvrait ici de grandes surfaces. Ces chènevières ont donné leur nom au hameau. On retrouve des traces de l'habitat ancien. Cette vieille ferme n'est plus habitée depuis longtemps. Elle menace ruine, et c'est bien dommage. N'est-il pas émouvant de voir disparaître un témoignage de la vie de nos ancêtres, eux qui savaient si bien utiliser les matériaux offerts par la nature, le bois, la terre, le chaume, réalisant des bâtisses sobres et élégantes, parfaitement intégré au paysage. Un verger l'entourait, on trouvait ainsi sur place les fruits les plus divers au fil des saisons, cerises, prunes, pêches, poires, pommes. Il y poussait aussi ce vigoureux cormier.
spécimen devenu rare, presque en voie de disparition. Nous voici repartis pour un autre circuit, à la découverte de la Loire. Une randonnée au bord de la Loire peut commencer au plan d'eau des Grèves de Belleville. Sait-on que toute la portion nord de ce plan d'eau est située sur la commune de Beaulieu, même s'il est propriété de Belleville? Il existe depuis l'édification de la centrale nucléaire. Réservé aux pêcheurs, c'est un lieu vert et tranquille, idéal pour le repos et la détente pendant la belle saison. En hiver, c'est un point de rassemblement des oiseaux migrateurs. Partant de gel, on y voit souvent des bandes de cormorans, de canards ou de hérons cendrés. Prenons le chemin qui longe ce plan d'eau pour rejoindre la Loire. Les Grèves d'Ébuteau sont une ancienne île de la Loire, rattachée à la terre ferme par les alluvions. C'était autrefois l'île du Vertou. Les Grèves furent longtemps des communaux, à vocation de pâturage. Aujourd'hui, on y trouve des carrières, puisque le sol est constitué de sédiments récents, sables et graviers. Ils sont très demandés pour la maçonnerie et les travaux de voirie. Le prolongement des autoroutes de notre région assure un bel avenir à ces extractions. On franchit un ruisseau, la Balance, qui va se jeter dans la Loire 500 mètres plus loin, après un cours d'une dizaine de kilomètres seulement, puisqu'il est né dans la commune de Sury-près-Léré, au lieu-dit Les Avardons. La Loire, au courant violent, laisse deviner ici son aspect de fleuve fier et indépendant. L'homme n'a jamais pu la maîtriser, même quand il s'y risquait à la navigation. Le lit est changeant, instable. Les îles nombreuses, émergeant n'importe où et n'importe quand, pouvant s'agrandir au fil des années ou disparaître à l'occasion de crues violentes. La végétation est envahissante, avec prédominance de saules variés, qui réussissent souvent à fixer les sables. Le courant principal est capricieux, creusant son chenal tantôt sur une rive, tantôt sur l'autre, abandonnant partout d'énormes quantités de sable. L'île Bon, entre Beaulieu et Bonny, profite de ces alluvions. Propriété privée dès le XIXe siècle, elle était assez vaste pour qu'une famille puisse y vivre en autarcie, avec possibilité de culture, d'élevage, de chasse, de pêche, de bois de chauffage. Deux maisons y furent édifiées, maintenant en ruine. En aval, on aperçoit le pont suspendu, nouveauté du XXe siècle, puisqu'il fut ouvert à la circulation en 1902. Détruit lors de la débâcle de 1940, il fut reconstruit et élargi après la guerre. L'intérêt touristique de la Loire est encore à peine exploité, et c'est peut-être une chance pour ce fleuve sauvage que d'être à l'abri des foules, souvent peu respectueuses de la nature. Les campings seraient inondables,
mais les aires de pique-nique sont de plus en plus nombreuses. Nous sommes ici à l'embarcadère d'autrefois, là où se terminait la route du Val. Les voyageurs qui voulaient traverser allaient le passeur, dont la maison était toute proche. C'est à cet endroit que les Allemands construisirent un pont de bois provisoire pendant l'été 1940. Son existence fut brève, il fut emporté par la première crue d'automne. Cette échelle nous rappelle les caprices d'un fleuve qui peut monter très vite et inonder le Val au niveau de 4 mètres, ce qui arrive encore de temps en temps. Mais on est loin des fameuses crues du siècle dernier qui dépassaient les 7 mètres. Voici ce qui reste des troupeaux d'autrefois, quelques bêtes de boucherie. Les bords de Loire s'animent aujourd'hui d'activités de loisirs. Ces vastes étendues plates et saines conviennent aux pistes d'envol et d'atterrissage pour les ULM. Partant calme, car l'ULM redoute les bourrasques. Quand il fait beau, les vols sont incessants. On pratique aussi le canoë à la belle saison. Doit-on se réjouir de ces nouvelles activités ou penser avec nostalgie au temps jadis quand ces étendues silencieuses ne voyaient que des chercheurs de champignons? Un revenant, le castor, lui qui peuplait toutes les vallées françaises, celles des grands fleuves comme celles des modestes ruisseaux, avait disparu de notre faune locale. Réintroduit dans le bassin de la Loire il y a une vingtaine d'années, protégé par la loi, il semble se multiplier et se propager très vite. Il hante les bords du Riau, cet ancien bras de Loire, et le castor s'attaque aux arbres des rives. Travail spectaculaire, sinon utile, dicté par l'instinct de la race. Le castor abat les arbres, a-t-on constaté, pour établir des barrages sur les cours d'eau, assurant ainsi une profondeur constante de la rivière et par conséquent la sécurité de son habitat, puisque l'entrée du terrier, toujours sous l'eau, reste invisible. Est-ce bien nécessaire ici? Après tout, il faut bien que cet animal se fasse les dents. Et la marche au bord de la Loire peut se poursuivre pendant des heures et des heures, même au-delà de la commune. Après la Loire, allons voir les châteaux. Assé d'abord, puis Courcelles. Pour arriver aux portes de la forteresse d'Assé, il faut traverser la basse-cour. Vaste espace protégé par une première muraille défensive. En cas de danger, tous les habitants du village pouvaient s'y réfugier avec leurs troupeaux et y séjourner pendant la durée d'un siège, fût-il long. On avait prévu, dans les granges et magasins, des réserves copieuses. Aujourd'hui, l'accès se fait par un pont de maçonnerie. Le pont-levis a disparu, bien sûr, ainsi que la herse. L'architecture, imposante et massive, nous rappelle quand même le rôle défensif de cette entrée, avec les mâchicoulis, les créneaux, les poivrières. Les murailles restent très hautes et l'on aperçoit encore, de place en place, les archères du chemin de ronde
qui dessine un vaste quadrilatère suivant le plan des bâtiments. Mais le côté Val-de-Loire était privilégié. C'est de ce côté que les guetteurs voyaient venir le danger. Les fossés ne sont alimentés que par les eaux de pluie. Aucun cours d'eau n'est proche. Et l'on est là sur une butte. Mais le sol glaiseux, imperméable, retient assez bien l'eau. De plus, les assaillants avaient toujours la crainte de s'embourber dans une vase épaisse et gluante. Comme tous les seigneurs, les Studdassés avaient le privilège de colombage. Ce colombier, intégré à la ferme du château, fut remanié au XIXe siècle et doté de lucarnes renaissance. Ce tronçon de colonne romaine paraît bien insolite ici. Il faut savoir qu'on est à proximité de Gannes, villa gallo-romaine découverte au siècle dernier, lors du creusement du canal, et qui disparut avec les invasions germaniques du 5e siècle. Autre spectacle surprenant, ce magnifique cèdre au milieu des terres de culture. C'est que nous sommes arrivés, après quelques kilomètres, sur le domaine de Courcelles, autre château privé que nous n'apercevrons que de loin, à travers les feuillages. Les seigneurs de Courcelles possédaient plus de 600 hectares de terres et de bois, à cheval sur les paroisses de Beaulieu et de Châtillon. Et la plupart des fermes environnantes dépendaient du seigneur. L'obélisque évoque le plus prestigieux des propriétaires de Courcelles à l'époque napoléonienne, le maréchal MacDonald. Cet obélisque fut édifié à l'occasion de son mariage en 1821. Savait-il qu'il était un précurseur et que Louis-Philippe l'imiterait 15 ans plus tard, place de la Concorde. Copiant Percier Fontaine et la place de l'Étoile de Paris, MacDonald versa dans le grandiose et les modestes chemins de terre de ce carrefour devinrent de belles avenues. C'est aussi une autre page d'histoire locale qui se présente avec cette grange pyramidale de la prébendrie, prébende des chanoines de Bourges, nos seigneurs, avant la Révolution. Une nouvelle randonnée va nous faire découvrir les bords du canal. Le canal latéral à la Loire date du siècle dernier. Il fut ouvert à la navigation en 1838 exactement, reliant Roanne à Briare. Un nouveau tronçon fut creusé plus tard, en 1892, qui permet de gagner le pont-canal, réalisé à la même époque. Le pont le plus en amont de notre commune est celui de Chennevières, où passe la route des Buteaux. Ce pont, détruit pendant la dernière guerre, fut reconstruit dans le style traditionnel. S'il est courant d'admirer le canal plein à ras-bord, belle avenue d'eau où se mirent les arbres des berges, il est plus rare de le trouver à sec. N'est-il pas curieux de le découvrir ainsi, à nu, sous son aspect initial? On peut se rendre compte de sa profondeur, de sa section, de son volume.
Pensons à la peine de ceux qui le creusèrent à la force des bras, armés seulement de pelles et de pioches. Nous sommes à Mimbré. Là se termine le bief supérieur et nous allons descendre d'un niveau avec l'écluse, la dernière avant Briard. L'écluse est la contrainte des voies d'eau artificielles qui ralentit la marche des bateaux d'un bon quart d'heure. Pose appréciée à l'époque des mulets et des chevaux, handicap certain aujourd'hui à l'ère de la vitesse. Conçue pour des péniches de 300 tonnes, cette écluse est aux normes du plan Fraissinet, avec 40 mètres de long et 6 mètres de large. Ses abords sont soigneusement maçonnés pour éviter l'envasement, avec un batardeau plus bas qui permet de la vider complètement en cas de travaux. Sachons aussi que la rivière de Mimbré, la Venelle, passe sous le canal. Déversoir tout trouvé bien utile. On arrive au pont des Beurtes, sur la route qui menait les troupeaux des hameaux voisins dans les prairies du Val. Des hangars de stockage à grains, utilisés ces 30 dernières années, attestent la production céréalière de notre commune, à l'agriculture pourtant si diversifiée. Tout au bas du bourg a été installé un terrain de camping municipal, gîte d'étape et de passage. Il tente à devenir un lieu de séjour et de loisirs. Et c'est bien là la vocation actuelle du canal, animé par la navigation de plaisance. Le trafic commercial a cessé. Plus une seule péniche ne s'arrête aujourd'hui devant ses magasins, ses entrepôts, ses silos. C'est dans ce renfoncement vaseux qu'avait été aménagé de lavoir au début du siècle. Les habitants, les moins jeunes, se rappellent que les lavandières s'y retrouvaient chaque semaine, agenouillées dans la paille de leur cabasson, frottant, brossant, tordant, battant, dans de grandes éclaboussures d'eau et de médisance. En hiver, elles se regroupaient au lavoir de la fontaine, sûre de trouver là une eau plus tiède, jamais gelée, une eau de source limpide, mais trop calcaire pour une bonne mousse de savon. Aujourd'hui, ce ne sont qu'algues verdâtres et gluantes. La curiosité de l'étang est la bifurcation du canal. Le premier tracé conduisait les péniches à Châtillon, au bassin de Manteloup. Elles devaient ensuite traverser la Loire, ce qui n'était pas une mince affaire, été comme hiver. Aussi eut-on l'idée d'un pont-canal pour simplifier la navigation. À la fin du siècle dernier, on creusa donc ce nouveau canal sur une douzaine de kilomètres jusqu'à Saint-Firmin. Le vieux canal, délaissé par les bateaux, prit bien vite l'allure d'une rivière naturelle, riche de végétation et d'arbres, au bord paisible, recherché des gens tranquilles. C'est au niveau de Gannes, en contrebas d'Assé, que les terrassements mirent à jour des vestiges gallo-romains. Dans ce grand champ pentu,
qui s'appelle la Terre des Arpents, on découvrit des fondations de villas, une piscine, un aqueduc. Au début du XXe siècle, c'est ici même qu'on embarqua le minerai de fer et les scories du puits d'Avenat, à destination des hauts fourneaux de Lorraine. Cette borne a gardé la trace des cordes d'amarrage qui l'ont usée pendant une vingtaine d'années. Le travail de nos ancêtres reste ainsi visible et palpable. Comment ne pas admirer aussi ces arches de pierre taillées, aux courbes si parfaites et qui ont défié les siècles. Une belle allée suit le vieux canal, accessible à tous, piétons, cyclistes, cavaliers et carrossables en toute saison. Elle permet d'accéder aux gîtes ruraux que nos voisins ont installés dans les maisons éclusières désaffectées. Un nouveau parcours va nous conduire des Médards à la Motte, voie médiane de chemins creux, ombragés et frais, à suivre au cœur de l'été. Toute la troupe est là, consciente que le plaisir de marcher et de découvrir est aussi un bienfait pour l'organisme. Même le petit chien Isidore est fidèle au rendez-vous et il manifeste toujours sa joie de marcher. La rivière des Médards, qu'on découvre sur toutes les cartes, a la particularité d'être toujours à sec, sauf à la suite de gros orages. Elle présente l'aspect d'un large fossé encombré de végétation et de branches mortes. On peut supposer que son parcours est souterrain, et la source bouillonnante du Sordon, à l'étang, ne serait que sa résurgence. Elle creuse des cavernes dans le calcaire du sous-sol et cette route s'est affaissée plusieurs fois. L'ancienne ferme des Médards était un domaine important, qu'on en juge par les bâtiments. Une huilerie fut installée pendant la dernière guerre et les habitants apportaient régulièrement leurs oléagineux, cerneaux de noix, graines de yette, de navette, de colza. C'est aujourd'hui un restaurant réputé qui a su tirer parti de ce coin champêtre très agréable. Nous passons près des Terreaux. Comme au Médard, on a cessé l'exploitation agricole au Grand Terreau. Cette cour vide, ces bâtiments silencieux nous rappellent encore les mutations de l'agriculture actuelle qui, en deux décennies, est passée du travail manuel à la mécanisation la plus poussée et de la pénurie à la surproduction. Et tout à côté, la mare, où venaient se désaltérer de grands troupeaux, n'a plus que la visite clandestine de canards sauvages. De la route du Puy d'Avenat, le regard parcourt un paysage varié, cultivé ou boisé, bien vallonné, ce qui a valu à ce site l'appellation très exagérée de montagne. Montagne bien modeste, puisque la vigne y poussait. Le climat des copis produisait un vin réputé, ses pentes bien exposées recevant le soleil du matin au soir. Du vignoble, il ne reste que les cabanes, tristes orphelines dans les champs de blé ou dans les plantations de pin. Peut-on imaginer meilleure harmonie dans ce paysage qui eût pu séduire les pinceaux impressionnistes? Plan d'eau miroitant, maison rustique sur un fond de verdure. Le hameau des Brosses, toujours blotti au milieu des bois,
n'a pas changé depuis des siècles. Cette grange pyramidale, édifiée au XVe siècle, témoigne de la pérennité du travail bien fait. Quand même, la tondeuse à gazon a remplacé la faux. Tout comme la tuile mécanique a remplacé le chaume de la toiture. Pour herboriser, rien de mieux que ce chemin. Il abrite bien des pensionnaires, connus ou méconnus, plantes assez rares qu'on trouve malaisément ailleurs, le saule de Salomon, le lychnis à fleurs de coucou par exemple. Encore une grange pyramidale au buisson, nom évocateur. Ici, comme au Brosses, la toponymie fait référence au bois. Ne dit-on pas à Beaulieu le boisson et non le buisson, vocable conforme à l'étymologie latine. Terminons notre route en seigneur au manoir de la Motte. Forteresse médiévale, certes, mais logis simple et coquet, bien que François Ier y ait couché, dit-on lors d'un passage. La restauration récente, bien conduite, a mis en valeur l'architecture ancienne et notamment, à l'intérieur, un escalier de bois de style Renaissance. Les douves, hélas, disparaissent peu à peu. Creusées à quelques distances des murs, elles ceinturaient complètement l'ensemble des bâtiments. L'ancien cadastre nous révèle l'étendue imposante de ces plans d'eau. Il ne reste que quelques mares, couvertes d'une végétation aquatique envahissante, qui rejoint l'herbe des berges dans une nappe continue de verdure.